Elle est arrivée et on va retrouver toutes ces femmes devant nous. Allez, vous les applaudissez au fur et à mesure qu'elles passent devant vous. Et il y aura tout à l'heure une championne de France. Elle en tape sur les plaques. Et voilà, donc la tête de course avec, au commandement de Caroline Mali, la championne de France qui a pris la tête. Nous avons Marlène Petit-Girard qui est là. Elle nous retrouve Marlène Morel-Petit-Girard, elle aussi, au cœur de l'échelon des Verts, mais là, même sensation. Elle se place à une vingtaine de 23 secondes de Pauline Ferrand-Prévot qui change de vélo et après... Accompagné de vos applaudissements, installés à la première place à deux tours de l'arrivée. Voilà, d'emblée, elle a imposé sa course. On voit Caroline Mali, qui est également sur la partie bitumée. Brillante dans les Coupes du Monde, dans les grands tours, mais Caroline Mali, 2,55, 10e, Marlène Morel-Petit-Girard, Morteau-Beaubenois, 3 minutes, 11e, Marine Strapazon, Morteau-Beaubenois, à 3,25, et 12e, Pauline Mali, on de France à 3,26, voilà pour les 12 concurrents. Avec Marlène qui est de retour, sur les textes de Caroline Mali. Attention, les cartes retirées. Et voilà l'arrivée de Pauline Ferrand-Prévot, ovationné par des milliers de spectateurs présents aujourd'hui à Kelnac. Alors lève-les-moi, l'applaudit plus fort encore. Pauline Ferrand-Prévot, multiple championne du monde, qui est donc championne. Va terminer troisième, remarquable finale de nos championnes. On applaudit de la même manière avec l'arrivée de Caroline Mali, 4 fois championne de France, vice-championne du monde, médaillé de bronze au championnat d'Europe, à Pontchâteau qui termine deuxième, et troisième, on l'applaudit également, Marlène Petit, 3 concurrentes qui auront dominé les débats aujourd'hui, puisque la quatrième est à plus de 2 minutes. Le podium, première Pauline Ferrand-Prévot de l'équipe Canyon Factory. Voilà nos 3 championnes et maintenant monsieur David Lapartien.